La personne de confiance peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux, dans le but de vous aider dans vos décisions. La personne de confiance donnera un témoignage sur vos volontés en ce qui concerne votre santé. Les professionnels de santé peuvent consulter cette personne si vous n'êtes pas dans la capacité de prendre une décision dans le cadre d'une hospitalisation, d'une opération, d'un examen, d'un nouveau traitement ou encore dans le cadre de la prolongation des soins. Comment procéder? C'est très simple. Une personne majeure peut désigner une personne de confiance. Cette personne de confiance peut être une personne de la famille, un proche ou même un médecin traitant. Sa désignation se fait par écrit en remplissant un document fourni par l'établissement de santé. Vous pouvez choisir une autre personne de confiance à tout moment en informant votre médecin traitant ou l'établissement de santé. Connaître ses droits, c'est agir pour sa santé. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Droits des patients » du site du ministère des Solidarités et de la Santé.